les mettre n'importe comment, mais en fait, on va pas les mettre n'importe comment. Pourquoi? Parce que c'est une bête, parce que quand elle se déroule de côté, elle soit jolie. Alors du coup, on va faire comme ça. À toi pour la suite. Chacun votre tour dans l'ordre, vous avancez. Allez, poire, il en faut 3 kilos minimum pour une tartate. C'est lourd en plus les poires. Je suis pas convaincue que tu sais que ça va remplir. Hein. Peut-être qu'il va falloir. Mais on va peut-être en falloir en d'autres. Ouais, mais... je crois qu'il va falloir. Ah, on continue. Faites attention. Mais oui, c'est une fleur. C'est le papier. Le papier. Ouais, voilà. Voilà. Tu y arrives. Vas-y. Vas-y, encore une ici. Encore une ici. Voilà. Avec les fleurs, mais du coup, il va nous manquer quelques poires. Je pêche. Ah ouais, on va en éplucher encore. Hein? Encore une ou deux, c'est ça? Oh, je dirais même une. Encore une chacun, moi je dirais. On va préparer notre dessus parce qu'il va être au-dessous. Parce qu'en fait, puisqu'on fonctionne en sens inverse. On va faire la Raymond DeVos, ça. On fonctionne en sens inverse. Après, ne pas oublier notre célèbre blague, hein, quel est le dessert qui fait le plus peur? C'est la tarte tatin. Voilà. Ça, c'est fait. Les vis, comme ça. Hein, côté de visuel dessus, sur la peau plat. Voilà. Ouais, le rôle arrière, ça sera pas ça. Ça sera comme ça. Voilà, ici aussi, un petit rôle, ou de l'autre côté. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'ici, il faut être droit, alors. On va pas hésiter, on va parler de brutalité au fusil. Voilà, bien le. Voilà. Tout va se positionner dans le moule. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, on va prendre, on a mis un peu de sucre en dessous. Là on va continuer nos ingrédients de caramel. Ah, il y a du caramel. Il y a au moins 250 grammes. En fait, j'avais prévu 500 grammes par personne. On va en mettre un peu moins parce qu'elles sont tellement belles et juteuses qu'on va en mettre un peu moins. Mais qu'on ne veut pas non plus qu'elle soit noyée. Mais là, on est effectivement à 250 grammes de sucre. Et voilà. Ouais, une demi-plaque, pareil ou... Une demi-plaque, t'as des plaques, ouais. Une demi-plaque, comme ça. Alors après, vous n'hésitez pas. Vous en mettez à peu près partout. Vous jugez tout ça. Sans... pâtisserie, on est en général extrêmement précis. Ben oui. Mais moi, je suis un cuisinier. Et alors, les cuisiniers, ils adorent l'aléatoire. C'est ce qui crée une identité. Donc, les pâtissiers, moi, nous avons un problème. Sachant que il y a d'excellents pâtissiers. Quand on goûte leur travail, c'est juste à tomber par terre. Et là, on se dit, ils ont raison de mesurer. Mais là, nous sommes dans de la pâtisserie familiale. De plaisir. Donc nous allons faire ça comme il le faut. Alors, on va se poser une question encore, parce que j'en ai déjà posé une tout à l'heure. Parce que là, voilà, on va se poser la question pour le chocolat. Alors. Je te laisse mélanger. Ouais, c'est... On garnit jusqu'en haut. Exactement. Pas se brûler. Désordre depuis le début. On était dans le désordre, on n'a pas compté, on n'a pas mesuré. Et c'est ce parti avec le pistache aussi, ou pas? Pourquoi pas? Tu vois, voilà l'exemple type, un petit peu de pistache posé dedans, à différents endroits. Et finalement, on est dans des choses qui se... Qu'est-ce qu'on est des choses qui est une erreur à la base? Mais oui, qu'est-ce que c'est une erreur? C'est une bêtise. Ben oui. Alors, finalement, la bêtise,
Si toi tu décidais de faire une tarte, un bourdalou, tu sais, les tartes avec des c'est plus dedans, où il y a de la crème, où il y a des appareils, où il y a tout ça, bah, tu pourrais faire ça en tarte à thym. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux faire une tarte à thym de tomates. Tu prends les tomates, tu mets du sel, du poivre, du thym, du laurier, tu t'amuses à mettre de la mozzarella dans le fond à la place du caramel. Tu montes comme ça, etc. Tu rentres dans le four, finalement c'est plus un mode de cuisson maintenant qu'une recette telle que. Le phénomène tatin, c'est finalement on va le couvrir. Alors là, on va le laisser descendre pour que ça caramélise. Après, on joue, on pose un petit carré de chocolat et on couvre. Et on couvre, donc là, du coup, ça va rester dedans. Et le caramel va pouvoir mousser gentiment sur la pâte. On va la resucrer légèrement pour qu'il durcisse plus vite. D'accord ? Là, voilà. Voilà. C'est le jus de la poire. Voilà. Ah oui, mais j'ai regardé, il y avait beaucoup de jus. Après, on va ouvrir le chocolat. Basique. Tout simplement, sur le dessus, mettre des petits bouts de chocolat partout. Elles sont déjà doublées, voilà. Donc on va venir déposer dessus. Alors la moitié. Ah, tu fais pas une dans le jus. Vas-y, prends l'autre et mets-la en face. Voilà, comme elles sont collées, je vais garder les autres que j'avais décollées. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Et on va les poser en face. On les rentre bien sur les côtés, sans se brûler, parce que moi, je fais ça avec mes petites minettes. Mais tout le monde n'a pas la même résistance. Chevauche-les. Parce que là, comme on a fait une ruse, voilà. Voilà. Descends-la bien. Voilà. Voilà, on est bien descendu, on vérifie bien que ça soit bien lissé là, voilà, et puis on va la remettre dedans, et on va aller faire la fête, tous ensemble. On n'a pas besoin de la piquer. Alors, surtout pas la piquer, c'est ton sou. Ça m'embête depuis tout à l'heure, c'est un truc qui m'embête depuis tout à l'heure, qui est le suivant. Et on laisse la température dans les plaies. Oui, mais on l'a descendu exprès. Voilà. Ok. On espère qu'on va faire trop. Parce que vous voyez, c'est resté dessus. Ah, oh, voilà. Ah, oui. Voilà. On fait la fine. Oh, comme elle est jolie, ça fait de la peine de manger. Heureusement qu'on a mis deux pattes.
laisse mélanger. Ouais, c'est... On garde, on garnit jusqu'en haut. Exactement, pas se brûler. Voilà, on n'a presque pas besoin d'en mettre d'eau, c'est fantastiquement bien. Donc, on va... Allez, 10 minutes, pas plus. 10 minutes. 10 minutes, pas plus. Juste pour les pocher, pour qu'elle reste tout. Donc là, on va mettre un quart de la plaquette de beurre dedans. Un quart de la plaquette de beurre posée sur le chocolat. Et on va mouiller, pareil, jusqu'au dessus. Et on va faire des mots. Doucement. Et c'est tout. Rien. Alors ça... On va le faire maintenant, tranquillement. Donc, va chercher le chocolat et une cuillère en bois que tu vas trouver dans le placard. Et ça, ça a un côté maladif. C'est comme quand on joue à la pâte à modeler quand on est petit. On aime couiller, ben c'est pareil. Alors d'ailleurs, je conseille à tous ceux qui prennent les cours de cuisine que le fait de toucher et de c'est exactement les mêmes réflexes. Un peu de brutalité, beaucoup de finesse et des mélanges curieux. Et ça marche très bien. J'ai pas mis de sucre. J'ai rien mis de foie noir dedans. On est resté sur quoi? Sur le chocolat. Le but du jeu, c'est le chocolat. Les très grands chefs y arrivent. Tous les autres font une espèce de blouille dans lequel il n'y a pas de goût. Dans lequel on ne retrouve plus rien. Il y a de la couleur. Oui, mais il y a de la couleur, mais tu ne trouves plus rien. Il n'y a plus de... Voilà. Alors, les grands chefs y arrivent. Mais on n'a pas tout pour un 3 macarons Michelin et on le regrette. Non, je ne le regrette pas, c'est beaucoup trop de travail. Mais voilà, quoi. On va relier. On va la laisser s'épaissir gentiment pendant que les poires se terminent. Alors, les poires, on va choper 3 petites assiettes blanches. Il faut trouver quelque chose pour les égoutter après. Peut-être une petite passoire. Une passoire. Là, si tu mets les assiettes blanches, tiens par ici. Vous ne mettez pas de beurre. Elle va être un peu granuleuse, c'est pour ça qu'on a mis un peu de beurre. C'est pour qu'elle soit lisse. Alors bien sûr, j'aime bien couper les granuleuses, mais bon. Ça là, c'est pas très. Là, on parle de profond. J'aime bien quand elle est granuleuse, mais cependant. Là, ça c'est ferme. Vous voyez, là on y est. Regardez, là c'est ferme. C'est lisse, il est bleu noir. Donc on va arrêter avec lui. Ils sont têtus. C'est têtu quelquefois. C'est une poire, ça. Attends. Normalement, tu peux faire 4. Alors si on s'amuse un peu. Bon, allez, tu vois. Ah, là ça fait beau. On va faire des petits cœurs. Bon, c'est pour rire, hein. C'est histoire qu'on s'amuse. Voilà. C'est trop joli. Voilà. Mmh. Alors, surtout rappelez-vous, quand vous faites des cœurs, on n'a pas les deux côtés pareils dans le cœur. N'essayez pas de couper symétrique. Un cœur, c'est pas symétrique. Allez, faites des tests. Allez, essaye comme t'as envie. Pourquoi pas dans le sens où t'as envie. C'est là, on en rend ceci ne sont que des idées. Ah, je sais qui est-ce qui est peluché, c'est moi. Ah, c'est moi. Je la connais. Allez. C'est pour ça qu'il faut que je commence le matin pour le... Et il ne faut pas le désorganiser, un tout petit point là. Voilà. On a fait des choses différentes. Du coup, on va les inverser là. On va les inverser là. Voilà, on en a plein pour s'en rajouter à côté. Une petite touche de chantilly. Regardez, vous mettez ça à côté. Vous avez avec quoi là? Vous mettez des petites touches de rouge. Des petits fruits confits. Alors vous trouvez des fruits de saison, une framboise aux au milieu. Mais alors après vous pouvez faire rigolo, des baies roses. Ce qui est bon aussi, c'est... On a parlé de chocolat et de piment. La mangue. Quelques baies roses, un petit morceau de piment rouge.
posez là, ouais. Qui va vous surprendre d'un coup en faisant oh, qu'est-ce qui s'est passé. La grenade. Pourquoi pas l'amour en cache, l'amour en cache, ces petits fruits avec les feuilles qui s'ouvrent comme ça. Ah, c'est joli comme le tout. L'orange, en orange. C'est oui, voilà, tout ça, c'est joli comme tout. Tout ça là-bas, on prend des petites cuillères et moi je vais essayer de jouer avec la tarte à pain. Tu vas bagarrer avec elle. Ah, tu vas la démouler, allez hop. Oui, tu vas m'aider, tiens. Je te laisse mélanger. Ouais, c'est... On garnit jusqu'en haut. Exactement. Pas se brûler. Traducie au sucre et pas seulement un côté. Quand tu fais qu'un caramel, t'es quand même obligé de rajouter soit du caramel dans le mauvais sens, soit de nouveau du sucre et du beurre, parce qu'il faut que ça mousse de partout. Quand même, moi, je... C'est quand même un vrai intérêt. Sachant que le caramel a quand même tendance à mousser par nature, moins sur les pommes qui ont moins de jus, bien sûr. C'est quoi la sucrerie? C'est pas le caramel. Traducie au sucre et pas seulement un côté. Quand tu fais qu'un caramel, j'ai quand même obligé de rajouter soit du caramel dans le mauvais sens, soit de nouveau du sucre et du beurre, parce qu'il faut que ça mousse de partout. C'est quand même un vrai intérêt. Sachant que le caramel a quand même tendance à mousser par nature, moins sur les pommes qui ont moins de jus. C'est quoi la sucrerie? C'est pas le caramel. Tu sais ce que c'est que de vivre dans une cité HLM? Donc si tu veux, le fait d'être au lutte, pour moi, je trouve ça intéressant. Et puis surtout, le fait de parler de nourriture de façon simple. Pas quelque chose, on n'est pas en train de faire un travail de chef pâtissier ou de chef de 3 étoiles. Aujourd'hui, c'était de la pâtisserie. La dernière fois, c'était une recette de poulet à l'estragon, qui était, ma foi, fort réussie, avec des vrais ingrédients. Tout a été fait par nous-mêmes. Cependant, le but du jeu, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose dans lequel on privilégie le goût et puis l'idée de pouvoir se débrouiller par soi-même. Tu vois ce que je dis aujourd'hui? Je dis, bon, si vous avez envie de rajouter du piment dans votre chocolat, allez-y. Si vous avez envie de rajouter un peu de cannelle, allez-y. Si vous voulez rajouter, faites des tests. Mais pensez à un truc, de la brutalité, du goût et le plaisir de faire. Le four, la première fois qu'on l'utilisait comme ça, il a cuit trop vite, alors que pour le poulet, il avait cuit trop doucement. Donc, la tarte à tatin, c'est un peu délité, elle n'aurait pas dû. Soit. La prochaine fois, on va avancer, ça sera autrement. Mais du coup, ils savent, en rentrant chez eux, qu'ils vont pouvoir le faire plus doucement. On fait avec ce que savent faire chacun. Et puis là, on est intergénérationnel, Ben étant le plus jeune, mais on est intergénérationnel, il y a des hommes, il y a des femmes, et il y a une idée, il y a un mélange, les gens ne mangent pas pareil les uns des autres, et il y a un mélange, et on est tous autour de la même recette. On fait attention à ce qu'on puisse tous la manger, c'est quand même le minimum, mais à part ce détail, c'est tout. Donc c'est ça qui m'intéresse. Puis j'avoue, je m'éclate à faire de la cuisine, il faut me dire la vérité. et le rapport, est-ce qu'il y a un rapport avec la mairie ou c'est vraiment une... Alors, le centre Aimé Césaire dépend de la mairie. C'est un très très beau centre, comme vous avez pu voir autour. C'est un très très beau centre. Il n'est pas du tout équipé pour faire le genre de blague qu'on est en train de faire. Donc, on fait un peu. Ils cherchent, ils se donnent les moyens, ils avancent. En même temps, tu as entendu, il y avait. Ça répétait derrière du Beethoven. Tu avais 60 musiciens. Enfin, c'est un centre qui est amené à faire des choses au milieu d'une cité qui a toujours été construite comme une cité sensible. Quelle lutte, qui a même été une cité très sensible. C'est quelque chose d'extrêmement bien. C'est superbement bien fait. La réalisation totale est terrible. Donc oui, ça dépend de la mairie. Et puis ça dépend de gens qui s'engagent tous les jours dans leur quartier. Il
les gens à l'accueil, les gens qui sont montés, etc. C'est des gens qui tous les jours se battent dans le quartier pour que ça se passe bien. Puis c'est des facteurs d'intégration dans le quartier. Ça permet de vérifier comment fonctionnent les enfants, les violences faites aux femmes. Ça permet d'éviter qu'on ait un univers borné par quatre murs. La nourriture, c'est ça aussi. Hein. La nourriture, c'est tu peux aller piocher ton inspiration. À l'autre bout du monde, tu peux, tu es dans le goût, tu es donc dans le plaisir. Tu es dans le partage. Donc ça, c'est bien. Ça, la mairie y est indirectement pour quelque chose. Mais c'est les gens qui sont dedans qui sont le moteur. Si tu mets des gens dedans qui n'ont pas envie. Et c'est pour ça aussi qu'il y a diffusion aujourd'hui, que vous êtes là pour le film. Ça aussi, c'est le même type de choses. C'est des rencontres. On rencontre quelqu'un qui travaille à Vivre FM, donc là, qui est la radio du handicap, qui me dit, moi, je développe une chaîne télé pour les sports hand, pour tous les sports handicapés, tout ça, etc. Ah, oh, mais les handicapés ne peuvent jamais venir dans ton lieu, parce que chez moi, je fais des concerts. Écouter des concerts live d'une petite salle. Bah si, sur le mot streaming, ils peuvent. Tu veux bien? Bon week-end. Au revoir. Le mec tout de suite devient fou, tu sais. Tu veux mort, rajouter encore quelque chose? Non, je sais plus où on en était. Est-ce que tu veux juste, à ce moment-là, juste un truc que tu as fait au début, te présenter ton nom? Ah oui, oui, alors moi je m'appelle Olivier David et je tiens le restaurant concert au Petit Joueur dans le 19e. Et qui est un restaurant avec que des bons produits, travaillé plutôt bio, plutôt fermier, etc. Travaillé tout maison et simple. Je ne pousse pas du col, c'est pas étoilé, mais c'est simple, c'est bon, il y a du goût. Et puis les concerts, ils ont du goût aussi. Alors du coup, c'est terrible, quoi. Les concerts étant ma petite fleur à moi, mon instant de poésie personnelle. Je fais tout pour moi. Alors, toute la carte est faite pour moi, les concerts sont choisis pour moi. Donc on a intérêt à aimer ce que j'aime, parce que sinon c'est complètement raté. Mais il y a quelque chose. Et les gens sont vachement sympas. On n'a que des habitués, les gens sont vachement sympas. Il y a beaucoup, beaucoup de sourires. C'est la banane. C'est la banane. Voilà, ça c'est Louis, c'est ça. Bah, merci à vous d'être venu déjà. Et nous, un grand, grand merci à Olivier et à tout ce bonheur qu'à travers sa cuisine, il nous apporte et à toute l'équipe qui participe de cet atelier parce que c'est un moment génial. Ah oui. Ouais, ça c'est vrai. Bon, ben voilà. Un moment génial, ça. Convivial. C'est ça. Avec un chef passionné. Alors, c'est elle qui fait toute la vaisselle, presque. Elle a pas de chance. Hein. Moi, je suis plutôt jeune comparé aux autres personnes qui participent. Mais j'aime bien, justement, comment m'explique Olivier. Et c'est toujours aussi sympa. Bon, voilà. C'est cool. Alors, du coup, on recommencera nous en janvier. Yes. On est parti. Voilà. On va faire grandir, après prendre une succursale. Il nous faut une vraie cuisine. Le mec qui devient fou tout doucement. Ouais, ouais. Alors, et puis, dans la cuisine du chef, là. Alors, ça va pas être possible. Mais tout est possible avec Geneviève.